Bonjour, allez, c'est parti aujourd'hui pour une prochaine séance. On attaque tout de suite, la tête sur le côté, on déverrouille les cervicales, tout doucement, on prend le temps et on pivote droite-gauche, on regarde bien par-dessus son épaule. Ok, on enroule les épaules vers l'arrière, donc on tire bien vers le plafond et on tire vers le sol, bien dénouer la nuque, les épaules. Parfait, on tend les bras et rotation intérieure et extérieure des épaules. Ok, on passe ses bras dans le dos et on vient attraper ses doigts. Et on tire les coudes vers l'arrière en soufflant. On inspire et on souffle. Allez, encore deux fois. Dernière fois, je souffle et j'inspire. On fait de grands cercles, tout doucement, mais les plus grands possibles. Et donc on croise bien devant. Voilà, une fois bras gauche au-dessus, une fois bras droit au-dessus. L'autre sens. Même chose, les plus grands possibles et on croise bien devant. Parfait. Allez, on ouvre et on ferme. On peut mettre un peu plus de vitesse. Et on alterne en haut et en bas. Ok, on écarte un peu les pieds. Bras long du corps. On accompagne bien avec la tête. Flexion latérale. Je souffle, je descends. J'inspire, je monte. Et on augmente l'amplitude en passant le bras au-dessus de la tête. Le bras tendu. Je souffle, j'inspire et au fur et à mesure. J'essaie d'augmenter un petit peu l'amplitude. Voilà, encore une fois. Parfait. Les mains sur les hanches et en rotation. On fait des cercles avec le bassin, les hanches, l'autre sens. Voilà. Ok, on va chercher dans le dos. On pense toujours à pivoter son pied au sol. Ok, on mobilise un petit peu les chevilles. Pointe de pied, talon. Allez, on fait un petit test aujourd'hui. Les mains sur les épaules, un grand pas vers l'avant. On décolle la pointe de pied de la jambe avant et le talon de la jambe arrière. Et on essaie de bouger le moins possible. On serre les abdos, on plante les pieds dans le sol et on cherche à se grandir. Ok, on change. Pointe de pied relevée devant et talon relevé derrière. On essaie de ne pas bouger, on serre les abdos. Les pieds sont plantés dans le sol, on peut fixer un point devant pour que ce soit un peu plus facile. Si on est bien stable, on peut passer un peu plus sur la pointe de pied. Ok, cette fois-ci, bras tendus au-dessus de la tête, les pieds face à face. Et on passe sur les talons. Et on essaie de ne pas bouger. Bras tendus, on appuie sur les talons et on bouge le moins possible. On essaie de trouver le point de stabilité. Ok, on passe au sol. On enchaîne avec dos creux et dos rond. On inspire, on creuse le dos et on souffle, on arrondit le dos. On rentre bien la tête sur le dos rond et dos creux, on monte bien la tête vers le plafond, tout doucement. On prend bien le temps, bien mobiliser sa colonne vertébrale, toutes les vertèbres. Ok, maintenant on tend les jambes, on rapproche ses mains, le pied à côté de la main, bien à plat, et on alterne. Pied gauche, main gauche, pied droit, main droite. Jambes tendues derrière, bien sûr, on ne touche pas le genou au sol. Et maintenant, on peut rajouter une rotation du côté de la jambe avant. Donc jambe gauche, bras gauche. Et jambe droite, bras droit. Je pose le pied, je souffle, j'inspire, je fais la rotation. Je souffle, je ramène. J'inspire, rotation. Allez, encore une fois de chaque côté. Ok. Allez, un grand pas vers l'arrière. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire et on souffle. Ok, maintenant on rajoute la flexion du côté de la jambe avant. Et je souffle. Voilà, mon genou derrière ne touche pas du tout le sol. Une fois de chaque côté. Ok. Pied largeur du bassin. On vient inspirer, monter les bras. Et ensuite on souffle, on descend les bras, on enroule la tête. Le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos.
On vient toucher le sol, l'effleurer, ensuite on inspire, on remonte. Ok, on en souffle. On essaie de se relâcher le plus possible. Encore une fois. Et on relâche. Ok. On enchaîne avec des squats planches. Pour terminer l'échauffement, commencez à mobiliser un peu les cuisses et un peu le cardio avec les abdos, donc pied largeur des épaules. On descend en squat. On place les mains au sol en avançant. On est bien en planche, on fléchit les genoux. Et on remonte. On est parti, on fait ça tous ensemble. Une petite minute, tranquillement. Chacun son rythme. Peu importe le nombre de répétitions. Dans tous les cas, on est bien placé et on ne s'arrête jamais. Voilà. J'inspire, je descends. Je souffle, je passe en planche. Je fléchis les genoux, j'inspire, je souffle, je remonte. Allez, si on sent qu'on peut commencer à augmenter un peu le rythme, on augmente. Voilà. Allez, encore deux. Ok, on termine par les jumping jacks pour monter un peu plus le cardio. Allez, on attaque. Bien dynamique. Allez, on maintient encore. Allez, on passe en ciseaux. Étends nos fesses. On peut essayer de tendre les bras devant. C'est pas facile. Montez les genoux. Ok, très bien. Échauffement terminé. On s'hydrate, on prend une petite serviette et puis on attaque. C'est parti. Allez, on attaque avec le premier circuit. 30 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, 4 séries à faire. Premier exercice, on va être en talon-fesses. Ensuite, on va être en squat, planche et superman. On revient. Ensuite, on sera en tape arrière. Donc, on vient faire une sorte de fente croisée et on vient toucher son pied devant. Ensuite, on va être en pont dynamique, soit bras tendus, si on a mal aux épaules, aux coudes, on peut se mettre sur le dos. Sinon, genoux fléchis et on pousse sur ses talons pour décoller les fesses du sol. Et on terminera en grimper de montagne. On part dans 8 secondes, on commence tous en talons-fesses. Allez, 30 secondes d'effort, 3, 2, 1. Allez, on attaque. On peut s'aider des bras un petit peu, pointe de pied toujours au sol. Mais on pense à bien souffler. Allez, on vient bien taper ses talons contre les fessiers. Allez, encore, encore, encore. 10 secondes. Au bip, on a 10 secondes de récup. 3, 2, 1. Ok, on relâche. Squat, planche, superman. Allez, en place, pied largeur des épaules. 3, 2, 1, le squat, planche, soit je pose les genoux, soit je reste jambes tendues. Et ensuite, je tends les bras, bras gauche, bras droit, je fléchis les genoux, je remonte. Et on est reparti. Chacun son rythme, on pense à bien placer son dos. À aucun moment on relâche les abdos ni les fessiers. On ne se penche pas sur le côté pour faire un superman. On est toujours face au sol. Allez, 5 secondes. Ok, on remonte. Et on souffle. Tape arrière. Je mets le dos. Je croise et je viens toucher mon pied devant. 3, 2, 1. Ok, là, je fléchis ma jambe avant. Ma jambe arrière, elle passe derrière ma jambe avant, du coup. Elle est un tout petit peu fléchie, mais on n'est pas sur une fente. Hein. Voilà. Allez. Très bien. 12 secondes. Le pied de la jambe avant toujours à plat et mon genou aligné avec ma pointe de pied. 5 secondes. Ok, le pont dynamique. Talon proche des fessiers, on peut décoller les pointes du sol, les pointes de pied du sol. Et on pousse sur ses talons. J'expire et j'inspire.
Ma tête est dans l'alignement de ma colonne vertébrale. Je me concentre sur qu'une seule chose, les fessiers. Je souffle, je monte, j'inspire, je pose et je repars. Allez, 12 secondes. Encore. Allez, moins de 8 secondes. Alors, essaie d'en passer encore 2. Ok. Et on termine en grimpant une montagne. La première série sera terminée. 3, 2, 1. Allez, en place, c'est parti. Je souffle bien, je monte mes genoux en direction des mains, en soufflant et au plus près du sol. On pense à bien aligner ses épaules avec ses mains. Ça en force moins dessus. Allez, encore, encore, 15 secondes. Encore, encore, on lâche pas. Allez, on souffle, on tient, 5 secondes. Allez, allez, allez. On relâche, première série terminée. On repart tout de suite dans 5 secondes en talon-fesse. 3, 2, 1, allez. On ventile, on pense à souffler, pas d'apnée. On essaie de rester bien dans l'axe. Allez, encore, 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 encore. 10 secondes. On est toujours bien droite, bien droit. 5 secondes, on tient. Ok, squat, planche et Superman. Donc on lève bien un bras en alterné. 3, 2, 1. Ok, c'est parti. Chacun son rythme. Je serre mes abdos, j'aspire mon nombril. Je contracte mes fessiers et quand je reviens de ma planche, je fléchis mes genoux. Je suis en bas de mon squat, pied à plat et je remonte. Et pour faire la planche, on reste pas jambes tendues pour aller en planche. On fait bien un vrai squat, donc on fléchit les genoux. Tape arrière. Pour celles et ceux qui se sentent un peu plus à l'aise, n'hésitez pas à rajouter un peu de rythme. Et donc à accélérer le mouvement, quitte à faire un petit saut. Allez, très bien. Pied à plat, toujours devant. Pointe de pied derrière. Encore. Très bien. Le pont dynamique, donc sur le dos ou bras tendus, les poignets vous les mettez comme vous voulez en fonction de ce que vous ressentez. Dans tous les cas, je plante mes talons au sol, je me concentre sur une seule chose, les fessiers, et je ne relâche pas mon bas du dos. On est bien sur les hanches là, et pas le bas du dos. Allez, 5 secondes, encore, on en passe 2, 1 et 2, grimper de montagne, allez on souffle, on détend un peu les bras, 3, 2, 1, allez, et on tient en ligne, 30 secondes, concentré, on pense à bien souffler, à serrer les abdos, pas avoir les fesses trop hautes. Bien monter les genoux. Encore. Allez, 10 secondes, on ne lâche pas. Encore, 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 encore. Allez. Ok. Deuxième série terminée. On attaque l'avant-dernière. Talons fesses, 3, 2, 1. Allez. On peut faire des petits talons-fesses sur le côté, si vous le sentez, sinon on reste de face, et sinon ça rajoute un peu de travail au niveau des cuisses, mais il faut être sûr de ses chevilles et de ses genoux, sinon on ne fait pas.
5 secondes. Allez, allez. Encore. Ok. Squat, planche et Superman. Départ en 3, 2, 1. Je fléchis les genoux, j'amène les mains devant, je passe en planche. Allez. Encore. Je serre mes abdos, j'aspire mon nombril, je rampe le ventre. Allez. Encore. 5 secondes, on peut en passer encore une. Allez, on y va. Tape arrière. Le pied bien à plat devant. On croise bien avec la jambe derrière. 3, 2, 1. Allez. Allez, on tient. Voilà. On fléchit le genou de la jambe avant, la jambe arrière. Un tout petit peu fléchi sur la pointe de pied. Et si on sent, on peut faire un petit saut pour faire un changement. Allez. Encore. Encore. Et dernier. Ok. On ralentit un peu la fréquence cardiaque. On ralentit la respiration. On est en pont dynamique. Et on attaque. Allez. On se concentre sur les fessiers. La tête est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Encore. Allez, il faut que ça chauffe un peu l'arrière des cuisses, les fessiers. 5 secondes. Encore. Allez. Grimper une montagne. Après, il restera une série. 3, 2, 1. Allez. Allez, concentré jusqu'au bout. Allez, le dos bien droit, les épaules alignées avec les mains. Allez. On tient, on ne ralentit pas. Encore. 5 secondes, allez. Ok. Dernière série. Talons fesses. De face ou latéral. C'est parti. Solide sur les abdominaux, dès qu'on met les pieds au sol, on est stable. Allez, 10 secondes. Encore, 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 encore. Allez, 5 secondes. On tient. Squat, planche, Superman. Allez, tout de suite, on se prépare au bip, on est dessus. 3, 2, 1. Allez. Toujours le dos droit quand je descends en squat. Et quand je remonte, pareil. J'inspire, je suis en planche. Allez. Encore. Dernière rep. Ok. Tape arrière. Allez, comme les trois séries précédentes, si on sent, on augmente un peu le rythme, on peut passer un petit saut. C'est parti. Voilà. Mon corps est toujours de face, mais mes jambes sont bien elles sur le côté, elles se croisent sur le côté. Et je fais pas ça, jambes tendues, hein. On fléchit devant. Allez, encore. Ok. Pont dynamique, en place. Ok, on est parti. Je
souffle, je monte, j'inspire, je descends. Allez. Encore. Encore. Allez, 15 secondes, on peut le faire. Allez, moins de 8 secondes. C'est les derniers. Et la dernière rep. Ok. Grimper. 30 secondes, on essaie de s'imposer un rythme. Et sur les 8 dernières secondes, on y va à fond. Tous, c'est parti. Allez, le même rythme que tout à l'heure. Et quand à mon top, lui, il restera 8 secondes, on donne tout. Allez, encore, encore. On se prépare à accélérer, donc on ralentit pas. 3, 2, 1, allez, on attaque. Moins de 8 secondes, on essaie d'accélérer. Encore, 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 Roby. Premier circuit terminé, on s'hydrate et puis on se retrouve tout de suite. Ok, deuxième circuit, on part sur 3 exercices, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup, on a 4 séries à faire. Le premier exercice, c'est une fente arrière avec un coup de genou. Et en fait, on essaie de ne pas remonter et donner son coup de genou, mais on essaie d'enchaîner en étant toujours en appui sur sa jambe avant. Donc je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Et à chaque fois, je mets bien la jambe derrière et là, un gros travail sur la jambe avant. Donc 20 secondes sur la jambe gauche, la bip, 10 secondes et ensuite on change de jambe. Et même chose. Ok, 20 secondes comme ça et dernier exercice, on sera en planche. Commando. Hop, ici, ce sera mieux. Je descends sur les avant-bras, je remonte, je descends sur l'autre avant-bras et je remonte. Ok, on attaque tout de suite. Fente arrière et coup de genou. 3, 2, 1, jambe gauche devant ou jambe droite, peu importe. Et on essaie d'enchaîner, on souffle bien. Même si on est penché en avant, on essaie de ne pas arrondir le dos droit. Je souffle. Toujours en appui sur ma jambe avant. Allez, encore. Allez, ok. En étendant un peu la jambe, ça chauffe un peu déjà pour moi. L'autre jambe. Hop, je vais rester là. 3, 2, 1, allez, on appuie sur la jambe avant et on monte le genou de la jambe arrière. En soufflant, on cherche toujours à garder le dos droit. Mon genou de ma jambe avant, il est toujours face à ma pointe de pied. Allez, 5 secondes. Encore. Ok, planche, commando. Bras tendus. Ok, on attaque, avant bras droit, avant bras gauche, je remonte bras gauche, je remonte bras droit, bras gauche, bras droit, je remonte bras gauche. Vous alternez, dans tous les cas on serre les abdos, et si ça ne va pas, on pose les genoux au sol. Si on sent que le bas du dos, ça commence à être difficile. Allez, ok, deuxième série. Les fentes, 3, 2, 1. Allez, je serre mon genou, pas forcément, mais plutôt les abdos. Je souffle et je monte mon genou de la jambe arrière, toujours en appui sur ma cuisse avant. Allez, encore, encore. On expire, on souffle et on change de jambe en 5 secondes. 3, 2, 1. Allez. Ah, mon genou il est toujours dans l'axe. Je serre mes abdos. J'ai le dos droit. Allez. Pointe de pied derrière. Encore. Allez. Et planche commando. On commence genou au sol, jambes tendues, mes bras tendus dans tous les cas. Et on alterne bras droit, bras gauche, bras droit. Histoire de ne pas travailler toujours les mêmes bras. On serre les abdos, on essaie de ne pas trop remonter en faisant des rotations avec le corps. Bien face au sol. Allez,
Avant dernière série, fente, en place. 3, 2, 1, et on attaque. J'expire pour monter le genou. Je pense à serrer mes abdominaux. Allez, encore moins de 5 secondes. Je souffle, je relâche. Deuxième jambe. 3, 2, 1. Allez, encore, encore. Bien, on appuie sur ma jambe avant, un petit peu penché dessus, et on maintient. Encore. Allez. Planche commando. 5 secondes de temps de s'installer. Et voilà. Je serre les abdos, je bouge le moins possible le reste du corps. Que mes bras qui sont en mouvement. Je monte bras gauche, je descends bras gauche, je monte bras droit, je descends bras droit. Allez. Ok. Dernière série. En place, 3, 2, 1. Allez. C'est les derniers. Encore. Voilà. 10 secondes. C'est la dernière fois qu'on fait sur cette jambe-là. Tout le poids sur la jambe avant, on rebondit bien sur la pointe de pied derrière. Allez! Ça travaille bien le cardio, n'empêche. Allez, jambes opposées, 3, 2, 1. Allez, on appuie sur la jambe avant, on essaie de mettre un peu de rythme. Allez, encore, encore. Toujours en appui sur la jambe avant, le petit rebond derrière. Allez, jusqu'au bip. Planche commando. Jusqu'au bip. Ok, bah c'est bon. Impeccable. Deuxième circuit terminé, on s'hydrate. Et à tout de suite. Troisième circuit. La même chose que le circuit précédent. Trois exercices, 20 secondes, 10 secondes de récup. 4 séries à faire. Premier exercice, on est sur une sorte de squat avec un pas sur le côté. On serre les abdos. Et on vient tendre la jambe, toujours en appui sur la jambe d'appui qui est sous le corps. Deuxième exercice, planche, jumping jack, soit bras tendus, soit sur les avant-bras, soit une jambe après l'autre, soit les deux en même temps avec un petit saut. Et dernier exercice, on fera une cuillère avec différents niveaux que je présenterai au fur et à mesure. L'idée c'est d'être en appui sur les fessiers et de maintenir comme ça. Et pourquoi pas tendre les jambes après. Allez, on se met en place pour la première série. Squat, pas de côté. 3 exercices, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. 4 séries, 3, 2, 1. Allez, genou fléchi. Et une prise d'appui latérale. Je souffle, je serre les abdos, même si je suis penché en avant. Je bombe le torse, je suis droit. Allez, allez. 5 secondes. Ok, planche jumping jack. Bras tendus sur les avant-bras. Sur les avant-bras, c'est un peu plus dur. Allez. Et on part. Je serre les abdos et les fessiers. Je suis bien droite, bien droit. Je bombe les torses. Allez. Soit une jambe après l'autre. Soit les deux en même temps avec le petit rebond au milieu. Allez. Encore, 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 encore. Ok. Et la cuillère. Hop. On amène les mains sur les genoux. On décolle.
les pieds. Et vous progressez si vous sentez que vous pouvez. On peut tendre les bras. On serre les abdos, on met le dos bien droit. Et si on peut, on vient tendre les jambes, sinon on fléchit. Et on reste comme ça, c'est déjà largement suffisant. Sinon on peut y aller. Allez, encore, encore, encore. Ok. Première série terminée. On passe sur le squat. 3, 2, 1. Allez. Pour celles et ceux qui arrivent un peu plus facilement, on peut mettre un petit rebond au milieu pour aller un peu plus vite. C'est pas une obligation. Vous connaissez le principe, on propose différentes options pour que tout le monde s'y retrouve. Ok, très bien. Planche jumping jack. Bras tendus ou sur les avant-bras. 3, 2, 1. Je serre les abdos, les fessiers. Une jambe en alterné ou les deux en même temps. Allez. Encore. On tient. On ne relâche jamais le bas du dos. Et la cuillère. On appuie sur les fessiers, les mains sur les genoux. On groupe. La tête bien droite. Et c'est parti. Je vais où je peux aller. J'essaie de maintenir. Je peux m'aventurer un petit peu, voir ce que ça fait. Mais à aucun moment, on arrondit le dos ou on s'écroule. On est toujours stable. Allez, encore, encore, encore. Ok. Déjà deux séries de faites. La troisième en place. Allez, c'est parti. Je suis droite, droit. Le petit pas au milieu. Allez. Toujours fléchi sur ma jambe d'appui. Le poids dessus. Allez, allez, encore, encore. Ok. Planche jumping jack. 3, 2, 1. Ah. Chacun son rythme, on prend le niveau que l'on peut faire. Et on y va à fond. Allez. Encore. On tient. Allez, jusqu'au bout. Voilà. Allez, la petite cuillère. On bombe le torse, on plante les fessiers dans le sol pour ne plus bouger. Et on maintient. On peut tendre les bras. On n'est pas la peine de descendre trop les jambes vers le sol. On a tendance à creuser le dos sinon. Donc on reste plutôt en hauteur, jambes fléchies ou jambes tendues. Et on maintient. Allez, allez, allez. Dernière série. Allez, c'est la dernière, pas le moment de lâcher, il n'y a plus rien après. Après c'est terminé, donc on donne tout. Allez, encore, encore. Allez, jusqu'au bip. Ok. Planche, jumping jack. En place, 3, 2, 1, à l'attaque. Je serre les abdos, je suis concentré jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au bip. Allez, encore. Et la cuillère pour terminer. 3, 2, 1. On attaque, on tient, on pousse le sommet de la tête vers le plafond, on fait une belle ligne et on maintient. La posture, on peut fléchir à tout moment les genoux, on continue de travailler, mais on ne se blesse pas. Allez, 3, 2, 1. Eh bien, séance terminée. Profitez-en pour souffler, vous allongez un peu comme on fait
d'habitude, prenez le temps de souffler. Et puis, hydratez-vous, un bon repas, tout dépend à quel moment de la journée vous faites ce circuit. Et puis, on se retrouve très vite. Allez, prenez soin de vous.